Marc Couture, 21 ans, de Val-d'Amour au Nouveau-Brunswick. Habitant Québec pour les études, Jean-Marc revient souvent dans sa région pour y passer de bons moments avec ses amis. Ma dernière audition, j'en revenais pas que le feeling que ça fait d'être là, devant les caméras, devant les juges, puis devant l'auditoire au complet. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta transformation. Tu sais, dans la vie, t'as l'air d'un gars un peu réservé. Puis là, quand t'es sur une scène, t'habites la scène, on sent que t'aimes ça, tu viens comme Hulk, là, tu te déchires la chemise. Même quand t'en fais pas beaucoup, les gens réagissent. C'est vrai que j'étais un gars un peu gêné, ça m'a fait réaliser que je prenais ma place quand même, puis j'ai bien aimé ça. Jean-Marc a aussi trouvé sa place dans le cœur du public. Jean-Marc! Être le choix du public, ça m'a encore plus donné de chaleur en dedans de moi. Ça m'a vraiment fait quelque chose. C'était un très beau feeling. Interprétant Pride and Joy de Stevie Ray Vaughan, voici Jean-Marc Couture. Bravo, tu nous as fait un show, puis c'est ça qu'on veut, un show. Fait que bravo, tu nous as fait un bon show. T'as trouvé... Toi, t'es le parfait exemple du gars qui a trouvé son style. Tu sais, t'es revenu avec une chanson sensiblement dans le même genre qu'en demi-finale, mais c'est ça qu'il faut. La scène, c'est toi important pour faire dessus ce qu'on fait de mieux. Et toi, c'est vraiment là-dedans que t'es à ton meilleur. Félicitations. Merci beaucoup. Tiens, on veut pas que Gilles Vigneault chante « I've got a feeling ». Si on veut que chacun, quand t'as un genre, c'est bon d'aller à fond dans ton genre, comme toi tu as fait. Puis bravo, franchement, je pense qu'on va te revoir. Merci. J'ai tellement aimé ça, là. C'est tellement bon ce que tu fais, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, je sais qu'on a fait un cas avec Mike qui vient de passer avant. Et c'est pas une question de compétition, là. Moi, c'est pas grave qu'il arrive en premier. Qui a attaqué Freddie Mercury et qui l'a vraiment bien fait. Toi, tu viens d'attaquer Stevie Ray Vaughan. Et c'était vraiment, vraiment bon. Merci. Merci. Et... c'est... là, les gens vont penser que je suis rabat-joie, mais c'est pas grave que tes doigts étaient un peu empâtés quand t'es arrivé le moment du solo parce que t'étais nerveux. C'est pas grave. C'est pas un concours de guitare.
c'était un concours de musiciens, puis c'est un concours de chanteurs, puis c'était vraiment bon. Merci. 21 ans, Jean-Marc. Tu dois être content d'avoir trouvé ce qu'il faut que tu fasses dans la vie. C'est très le fun à cet âge-là de le savoir, puis de savoir que tu es fait pour ça. Je suis d'accord avec Stéphane, il y en a qu'il faut qu'ils explorent, mais il y en a qui connaissent leur style. Puis tu sais, un joueur de hockey, s'il y a un bon slap shot, on lui dit « fais des slap shots, à soir tu as 5 buts ». Puis Maurice Richard a déjà eu 3 étoiles. Ouais. Je le dis là, après 11 secondes sur scène, je te regardais, puis la première affaire qui m'est venue dans la tête, c'est un bon Québécois, là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est comme, c'est la coche. Tu sais, il y en a qui ont la coche. Pas de niaisage. Toi, t'as la coche. Pas de niaisage. Merci, Louis. Merci. Ben, que dire de plus, Jean-Marc? Bravo. Stéphane, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, mais là, ton défi, ça va peut-être de nous faire du Stevie Ray en français. C'est ce qui manque. Il n'y a pas de... Ben, je vais essayer de relever le défi. Essayer, je vais le relever. Il y en a. Merci. Jean-Marc, ça fait longtemps que tu rêves à Star Academy et on en a la preuve. Est-ce que tu te souviens de ceci? Salut, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est important qu'on dise que c'est juste pour le fun parce que c'est pas dans les règlements. Pour Star Academy 2008, tu vas être la première cassette. Ouais. On va prendre. OK, mon nom, c'est Jean-Marc Couture. J'ai 12 ans puis je viens de Val-d'Amour. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Jean-Marc, c'est extraordinaire. OK, merci. Hey, c'est extraordinaire. Oui, Patrick. Fait que je rectifie, c'est pas à 21 ans, à 12 ans, il savait déjà. Ouais. Ça, c'est en septembre 2002. Wow. Non, c'est vrai? Ben, wow. Ouais, en septembre 2002. Et ça te fait quoi? Jean-Marc. Ça te fait quoi de voir ça, toi, Jean-Marc? Ça me fait bizarre, hein, maudit, te dire quelque chose. Ça me gêne un petit peu, là, maintenant. T'as raison. Mais t'as pas changé. Alors, bravo à Jean-Marc, bravo. Merci beaucoup.